Bienvenue à la Zone Jeux de Société. Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va commencer la partie de notre session de jeu solo de X-Men, le soulèvement des mutants. Alors allons-y, dans le dernier épisode, épisode 0, je vous ai finalement instruit sur la mise en place et les règles du jeu. Maintenant, on va voir comment que ça va se dérouler pour Wolverine et Angel, qui font face à la confrérie des mutants. Alors, je vais juste vous rappeler un peu l'histoire. Donc, Xavier, le professeur Xavier, qui dit « Le jour est enfin venu, je vous ai entraîné, vous, mes X-Men, pour montrer au monde le bien que les mutants peuvent accomplir, mais j'ai bien peur qu'un grave danger nous menace. » Donc, c'est le rêve de Xavier. Alors, la confrérie des mutants auxquels on va faire face. Donc, allons-y avec la première phase, qui est la phase de déploiement. Donc, je prends mes héros et je dois les déployer soit sur une mission qui est mission monde, qui est, ou une mission, peu importe, là, qui est disponible, ou je peux l'envoyer également dans l'un des trois endroits de l'Institut Xavier, de l'Institut pour les mutants. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle en fait. Là. Peut-être que s'il y en a un qui s'en rappelle, juste l'écrire en commentaire. Alors, allons-y. Donc, Angel et Wolverine vont aller essayer de stopper un violent incendie. Alors, juste un petit rappel d'ici là. Alors, il y a un flip. Alors, on dit ici si la mission Pyro est accomplie. Donc, si j'avais capturé Pyro, j'accomplis un des objectifs sur la carte automatiquement. C'est pas le cas. Là, je dois combattre ce violent incendie dans l'ordre des objectifs. Donc, je dois les faire dans l'ordre. Alors, on va essayer ça. Donc, lequel des deux je vais faire jouer en premier, que je vais jouer en premier. Donc là, c'est important, on regarde les symboles que ça nous prend. Et là, on regarde finalement les disponibilités ou qu'est-ce que je peux avoir là, finalement comme résultat. Alors, d'accord. Donc, ça va me prendre surtout des pouvoirs. Donc ça, c'est les jaunes qui font ça. Donc, on va commencer avec Angel. Alors, Angel, lui, qui a... est-ce qu'il va se faire aider de Wolverine? Est-ce que l'habilité de Wolverine est meilleure? Non. Pas particulièrement. Donc, on va pas offrir de soutien. Donc, Angel prend 1, 2, 3 des rouges, 1 des jaunes et 2 des bleus. Là, on lance les dés. Alors, petit rappel, je peux les relancer jusqu'à 2 fois chacun. Deux fois mes dés. Oups. Alors ici, j'ai un résultat. J'ai deux résultats de vilainie. Alors, comme on peut voir sur la carte, il n'y a rien qui m'indique que la vilainie va occasionner quelque chose. Donc, je les ignore tout simplement. Même il y en a 3, je viens de voir ça. Est-ce qu'il y a des symboles là-dedans que je vais pouvoir utiliser? Oui, un symbole comme ça. Donc, celui-là, je vais le garder. Je vais relancer tout l'ensemble de mes dés. Je peux relancer jusqu'à 2 fois, je vous rappelle. Oh! Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, ça, je vais en avoir de besoin. Je vais relancer une autre fois. Bon. OK. Bon, ça me sert absolument à rien. Alors, je peux compléter le premier objectif, le deuxième objectif, mais je ne peux pas compléter le troisième objectif. Donc, quand je complète les objectifs, je place des objectifs réussis, comme ça. Donc, le premier, le deuxième, et là, Angel prend 1 point de dégâts. On peut en avoir jusqu'à 5. Et là, c'est le tour de Wolverine. Alors, Wolverine qui va utiliser ses 3, 4 des rouges et 2 des bleus. Alors, lui, son habilité, c'est une fois par tour, vous pouvez relancer n'importe quel résultat de dés affichant des résultats de pouvoir ou
de pouvoir ou de travail d'équipe. Alors, deux vilainies, ça, j'en prends pas compte. Ça, je vais en avoir besoin d'un. Ça aussi. Alors, je vais relancer toutes ces dés-là. Alors, pas de résultats qui sont pertinents. Je peux relancer une fois par tour celui-là et celui-là. Et malheureusement, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Alors, c'est pas super. Donc, à ce moment-là, je résous la mission. Donc, c'est un échec. Les objectifs réussis, par contre, ils restent là. Alors, chaque héros subit un point de dégâts. Donc, Wolverine, on parle de chaque héros sur la carte. Et voilà. Donc, ensuite, on passe à la phase menace. Donc, augmenter la menace du nombre de points d'exclamation. Donc, on a 1, ça l'augmente de 1. On se retrouve à 5. Ensuite, on dit ici de retourner une mission en fonction du nombre de joueurs, donc de héros, pardon. Alors, deux héros, une mission, si pas de carte face visible sur les continents. Donc, il y en a une déjà. Et piocher et résolver une carte menace en donnant l'espace vert. Alors, voilà. Alors, il y a de la tension dans l'équipe. Donc, un héros rompt un lien. Bon. Donc là, j'ai pas de lien encore. Donc s'il y a au moins 4 héros, piochez une autre carte. Donc il y a des tensions dans l'équipe, mais heureusement, il n'y a pas de lien qui se sont établis entre Wolverine et Angel encore. Et finalement, on arrive à la phase de regroupement. Je renvoie mes héros au Blackbird. Bon, si j'avais des cartes soutien qui avaient été données, ben je les range, je remplace les héros éliminés s'il y en avait, et redresser toutes les cartes inclinées s'il y en avait. Et je passe au deuxième tour. Donc là, c'est sûr que je ne vais pas tout expliquer à chaque fois, on s'entend. Donc, celui qui a le plus de chance, parce que là, Angel, lui, il n'a pas beaucoup de points de vie, puis ça vaudrait la peine qu'il aille en chercher, puis faire baisser la menace, mais peux-tu, ou s'entraîner peut-être. C'est le jaune. Ouf. Ok, le jaune. Bon, je pense que Angel est mieux placé pour aller terminer la mission, tandis que Wolverine. Wolverine va aller s'entraîner en même temps. Alors, il va avec la phase mission. Donc, Wolverine se soigne de 2 dégâts. Donc, enlève son dégât. Puis, il peut s'entraîner. Donc, je prends un de ses trucs. Donc, il y a moins de chances d'avoir des mutagènes. Donc, vous n'avez pas des symboles de pouvoir. Donc, je vais en prendre ça. Et là, il va avec Angel. Angel réduise. Bon, ça, il prend ça. Donc, 2 rouges, 3 rouges, 2 bleus, 1 jaune. Et on y va. Bon, le symbole de vilainie, il change rien. Je vais avoir besoin de ces deux-là. Alors, ça, je peux les relancer. Alors, symbole de vilainie toujours ne fait rien. Je vais la relancer. Et là, ça me prend un symbole de travail d'équipe. Bon, ben, je l'ai juste ici. Donc, je vais réussir. Donc, je complète. Une fois c'est complété, on fait le résultat automatiquement. Donc, réussite, réduisez de 3 la menace. 1, 2, 3. Angel retourne là, je prends les trois qui sont là, il y en a un, bon, ça c'est la mission qui demande ça, donc ça m'en prend quatre pour retourner, continuer l'histoire. Donc ça, on retourne ça dans la pige ici. La mission, elle est terminée, on la met de côté, et c'est la fin de la phase de mission. Donc la phase de menace, on augmente la menace du nombre de points d'exclamation, il n'y en a pas. Ensuite, on retourne une mission. On va y aller avec l'Amérique du Nord, tiens. Donc, un jeune mutant.
Piocher et résolver une carte de menace. Oups. Alors, c'est une sentinelle qui cible le plus d'objectifs, mais là, il y a juste une mission en jeu, donc c'est celle-là. Donc, on la place en dessous comme ça, pour qu'on puisse revoir, un, le point d'exclamation, deux, le vilainie, et ce qu'il y a comme objectif supplémentaire. Donc, c'est un objectif qui se rajoute à la mission, en tant que tel, et une menace qui se rajoute à la mission. On est rendu, bon, 4 menaces, ça c'est beau, phase de regroupement, donc lui revient, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, et on continue. Alors, qu'est-ce que mes héros vont décider de faire? Ok, jeune mutant, ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça. Bon, ça, Wolverine est capable d'aller faire ça tout seul. Ce qui veut dire que lui, je vais l'envoyer s'entraîner. Alors, ici, il n'y a pas de flèche, donc je peux les faire dans l'ordre que je veux. Alors, ici, il soigne de 2 dégâts. Il s'entraîne. Notre cher Angel, lui, il est pas mal. Attends, on va y mettre un travail d'équipe. Et là, il va avec Wolverine qui s'attaque à tout ça. Donc, Wolverine qui a 4 des rouges, 2 des bleus. Bon, pas de symbole de vilainie. Alors, avec qu'est-ce que j'ai là, est-ce que je suis capable de compléter déjà des objectifs? C'est ce qu'on va voir. Bon. Bon, lui, il sert techniquement à rien. Ça. Puis même, on va prendre l'entraînement. Ça pourrait compléter ça ici. Ah non, on va en avoir de besoin. Lui, il en complète un aussi. Lui, il va compléter lui, là. Ah, ben, il fait tout au complet, donc on y va. Donc, lui, il va compléter le premier. Il subit un point de dégâts. Complète le premier ici. Le deuxième, là, je vous rappelle, on est dans le vert, donc il y a juste les verts qui comptent. Alors, le deuxième va être complété de cette façon-là. Le troisième va être complété avec ceci. Et la sentinelle va être complétée avec ça ici. Et voilà, Wolverine s'est débarrassé de la sentinelle et a réussi à sauver le jeune mutant. Alors, n'est-ce pas formidable? Donc, on enlève les dés. La mission est réussie. On enlève ça. Ça, il y en a un qui va là. La sentinelle est détruite. Et ici, on dit chaque héros se soigne un dégât. Et un héros pioche un mutant. Donc, on s'en va piocher un mutant. Et là, la particularité, là, c'est que là, je trouve, je viens de sauver Anol. Donc, la capacité spéciale de lui, c'est tant que vous êtes le héros actif, vous pouvez incliner Anol pour relancer jusqu'à un des rouges et un des bleus en ignorant les effets vilainie. Donc, les héros peuvent juste en avoir un avec eux. Est-ce qu'on le voit ici? Oui. Donc, ils peuvent juste en avoir un avec eux à la fois, mais on peut les cumuler à l'intérieur de l'institut en tant que tel. Donc, c'est des petits plus-values intéressants, là. On va le dire ça comme ça. Donc, lui, il retourne. La mission, elle est réussie. Donc, toutes les missions réussies, on va les mettre hors champ. Et c'est le temps de la phase de menace. Donc, il n'y a pas de menace. Donc, ça n'augmente pas. On retourne une mission. On va la retourner, tiens, en Amérique du Sud. Donc, mutant en fuite. Et on pige une carte menace. Donc, si c'est crise globale. Retourner face visible, une mission face cachée.
Alors, la suite, c'est pas important, donc on va y aller en Afrique. Oh, Pierrot qui vient d'apparaître en Afrique. Donc, Pierrot qui vient d'apparaître en Afrique, ça c'est intéressant parce que les vilains, quand ils sont mauves, là, les vilains, on peut les cumuler et on peut les échanger ici au bureau Xavier pour faire baisser la menace selon le nombre de d'icônes de menace qu'ils ont sur la carte. Ce qui peut être quand même sensiblement intéressant. Donc, lui, il revient finalement. J'ai rien d'autre à changer, c'est beau. Alors, je suis rendu à deux là. La mission progresse et on continue. Bon, on va se débarrasser de Pierrot les deux ensemble, t'sais. Alors, allons-y. Je vais faire jouer en premier. Tiens, Wolverine. Alors, deux bleus, trois rouges. Est-ce que non, le soutien d'une jaune? Vous pouvez relancer un dé affichant un résultat de travail d'équipe. Non. Bon, allons-y comme ça. OK. Alors, avant toute chose, je dois faire les deux symboles vilainis que je viens de tirer. Alors, chaque héros subit un dégât, donc ils subissent deux de dégâts chacun. Alors, Pyro vient de nous envoyer du feu vient de nous envoyer vient de nous brûler essentiellement. Alors. Bon, les deux ont subi des dégâts. Est-ce que je peux quand même commencer? Ok. Bon, ça fait 4. Ça prend un mutagène. Bon. Alors, je peux en faire au moins un avec ça. Ça, je vais le garder. Je vais relancer ces deux-là. Non, les trois. Chaque héros subit un dégât. Alors, Pierrot commence à me tanner un petit peu, là. Ça. Puis là, j'ai un moyen de faire quand même 4. Ah, j'ai oublié d'utiliser son habilité une fois par tour. Je vais l'incliner. Enlever le point de dégâts que j'ai reçu. Parce que j'ignore ça, il va relancer. Oh, là, c'est intéressant. Donc, ça, c'est celui du bas. Ça, c'est celui du milieu. Ah non, ça prend 4. C'est impossible que je me rende là. Bon, il va compléter deux objectifs. Donc, il va compléter l'objectif qui est là et là. Donc voilà. Un, deux. OK. Donc ça, c'était Wolverine. Et ensuite, on va y aller avec Angel qui a trois des rouges, deux des bleus, un des jaunes. Et lui, il va utiliser son habilité. Une fois par tour, vous pouvez dépenser un résultat de pouvoir pour déplacer une réussite d'un objectif à la mission. Bon. Voir. Donc, les deux héros subissent un point de dégâts. Je vais utiliser le. Ah, ben attends un peu, si je suis capable de le faire. Ah, ben oui. Ça fait 4 mutagens. Le pouvoir, travail d'équipe. Je fais celui-là en haut. Pouf. Et voilà, on vient de battre Pyro. Donc, reviennent. Il y en a un qui s'en va là. Et nous avons capturé Pyro et réussite. Un héros crée un lien. Donc, ça là, on va le mettre de côté. Alors, en créant un lien, c'est que Angel, ça va prendre respect.
Et je dois prendre exactement la même carte de respect pour Wolverine. Je commence à manquer de place. Va regarder. Nanana, Angel, je pourrais le déplacer encore un peu par là-bas. Ouais. Hop, ça, comme ça. Alors, on va déplacer Wolverine un peu. On va pouvoir mettre respect ici. Ouais, excellent, excellent, parfait. Donc là, en ce moment, ces deux héros-là, quand ils sont ensemble sur la même mission, ça nous permet au final d'utiliser l'habilité spéciale qu'il y a là-dessus. Donc, c'est écrit, si vous participez à la même mission que l'autre héros, partageant ce lien de respect, au début de la phase de mission, vous pouvez incliner cette carte pour vous entraîner. Donc, alors, il y a un respect mutuel entre nos deux héros. C'est ça que ça veut dire. Donc, il n'y a pas de symbole menace. Ensuite, il y a déjà une mission qui est révélée et je dois aller chercher une carte menace. Donc, homme de main, chaque héros subit un point de dégâts. Alors, il y a des hommes de main qui viennent de Magneto, finalement, qui viennent nous donner quelques coups sur la gueule. On va le dire comme ça se dit. Bon. D'accord. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai fait la phase de regroupement sans problème. Je dois redresser Anol. Et on continue. Jusqu'à là, j'ai été chanceux. Mais plus que ça va avancer, je dois vous le dire, là, plus que ça va être difficile. Et la menace peut augmenter quand même assez rapidement. Donc, je me déploie. Bon, premièrement, je pense qu'on va aller se guérir. Alors, lui va aller là. Lui va aller là. Donc, les deux se soignent de deux de dégâts. Wolverine s'entraîne. Et lui peut prendre la carte de Pyro, je la mets hors champ et ça fait baisser la menace de 1 puisque Pyro avait un symbole de menace. Bon, parfait. Donc le tour est assez simple. Bon, ça augmente pas, la menace augmente pas. Il y a déjà une mission. On pige une carte menace. Donc une sentinelle qui se rajoute. Juste ici. Bon, voilà. Alors, une sentinelle court après notre mutant en fuite, finalement, c'est ça que ça veut dire. Et c'est la phase de regroupement, donc on revient à l'intérieur du Blackbird. Alors, où est-ce que j'envoie mes héros maintenant? Alors, on va les envoyer à mutants en fuite, les deux. Alors, ils se vouent un respect, mais ils vont vous démontrer ce respect mutuel. Alors, on va y aller avec Angel en premier. Donc, un jaune, trois rouges, deux bleus. Alors, on commencera pas à changer le soutien. Je pense pas que c'est nécessaire. Mais il va aller s'entraîner pareil. Alors, on va utiliser notre respect. On va aller chercher ce dont on risque d'avoir de besoin. On va le faire dans l'ordre d'ailleurs. OK. Alors, Villainy, subissez un point de dégâts. Donc, la sentinelle nous tire dessus. Angel se fait blesser. Et les autres résultats. Alors, j'en ai deux comme ça qui vont être utiles. Fait que ça, je vais les garder. Je n'ai pas de symbole de mutagène encore. Donc, on va relancer les dés une fois. Ah, Seigneur! Okay, on va le remplacer ici parce que lui, il a plus de chances de pogner les mutagènes.
Alors, il subit un point de dégâts. Et là, je me retrouve à me questionner sur qu'est-ce que je vais faire. Alors, la sentinelle, ça, je peux la faire n'importe comment. Je ne suis pas obligé de suivre l'ordre. Mais ces deux-là, il faut que je suive l'ordre. Donc, on va commencer par la sentinelle. Au moins, se débarrasser de ça. Puis on va arrêter de lancer des dés là parce qu'Angel va être éliminé sinon. Donc, on se débarrasse de la sentinelle. Au moins, c'est ça. Et ça sera le tour finalement de Wolverine d'Ivoire. Donc, Wolverine, c'est 4 rouges, 2 bleus. Et on va. Oh yeah! Donc, avant, je vais utiliser mon Anol qui me permet d'en lancer ça ici. Ça, c'est bon. Fait que je reçois 2 points de dégâts. Ah ben non, il n'a plus! Je viens de penser, il n'y a plus de sentinelle. Donc, là, jusqu'à là, j'ai ça. Avec ça. Ça, je vais le relancer. OK. Ça va me permettre de faire le premier. Attends un peu, on va utiliser son symbole mutagène ici, là, parce que... OK. Je peux. L'habilité de Wolverine, ce que je peux relancer une fois par tour, ce type de résultat-là. Et ça marche pas. Donc je complète que le premier objectif. Je ne retrouve pas le mutant ensuite. Et donc. On défausse une réussite de cette mission. Donc, c'est comme si je ne l'avais pas faite au final. J'augmente la menace, il n'y en a pas. Je ne révèle pas d'autres missions. Je résolve une carte menace. Il y a une autre sentinelle qui apparaît tout simplement. Donc, on fait ça. Et on la continue. Oh là 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 là. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Bon, qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? OK. Je peux pas renvoyer Angel là. Bon, Wolverine va au moins y aller. Lui, il va aller se guérir 3 dégâts ici. Alors, Angel s'est guéri. Peut regarder une carte. Et on va la remettre en dessous, celle-là. Alors, ça, c'est l'habileté de Cérébro. OK. Allons-y avec Wolverine. Il ne peut pas utiliser sa carte de respect. On y va. Je vais prendre Anol pour lancer ce jeu-là. Je ne veux pas le perdre. Donc, on va essayer de se débarrasser premièrement de... ça ici, alors ça. Alors ça va me permettre de me débarrasser de la sentinelle.
Wolverine peut relancer ses dés-là si ça lui chante. Ça, c'est la sentinelle. Là, le premier en haut, c'est ça. Il reste juste un dé. On va essayer. Alors là, j'ai fait. Lui, je l'ai tiré une fois. Donc, ça, c'est la deuxième fois. Un peu. Là, je l'ai tiré une fois. J'ai retiré un dé à cause de lui. J'ai retiré des dés à cause de ça. Donc, ça, c'était la première fois. Je peux le retirer encore. Ce qui change absolument rien. Donc, au final, je me retrouve avec le même problème. Ça disparaît. J'ai une réussite, mais qui va disparaître à cause de mon échec. Et on se retrouve au point de départ. Ça change rien. Ça change rien. Menace. Alors, il y en a des sentinelles en Amérique du Sud. Oh my God. OK, ça revient. Voilà. Donc, on est rendu à la faire la suite. Alors, pour ce premier épisode, on va y aller avec un tout dernier tour. Donc, on va toujours essayer d'aller chercher notre mutant en fuite. Là, on va se reprendre à deux encore une autre fois. Je vais faire jouer Wolverine en premier. Donc, oups, excusez-moi. Donc, OK. Là, on va juste regarder ça. Symbole vilainie, on va la retirer grâce à Anol. Et je prends un autre signe de vilainie. Donc, il subit un point de dégâts, notre cher Wolverine. Donc, y a-t-il des objectifs déjà que je peux faire? Oui. Donc, deux. Deux. Là, je pourrais faire le premier avec ça ici. Qui n'est pas une mauvaise chose. Ou je pourrais me débarrasser de la sentinelle. C'est exactement le même objectif. Je vais laisser un petit peu plus tard. Je relance. Oups. Prends-tu une chance pour essayer de faire la sentinelle aussi? Oh. Ah, c'est ça. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, en fait, il va aller s'entraîner. Ouais, on va jouer avec les règles. Donc, il va aller s'entraîner. Il va aller chercher un symbole de mutagène. Que je vais dépenser avec ces deux dés-là ici. Okay, avant de le dépenser, je vais utiliser l'habilité de Wolverine qui permet de retirer ça là. Bon. Alors, il va le dépenser avec ça ici. Donc, je vais pouvoir me débarrasser de la sentinelle et de premier objectif ici. Donc, je vais pouvoir laisser Angel faire le deuxième. Donc, d'ailleurs, ça va être le tour d'Angel. Alors,
Angel, c'est un jaune, deux bleus, trois rouges. Si elle réussit pas celle-là, ça va pas bien. Donc, j'ai un symbole de vilainie, subis un point de dégâts. Alors, ça me prend deux symboles de travail d'équipe. Je vais en prendre un que j'avais en. Et la mission est réussie. Retourne ici. La sentinelle est morte. Réussite un héros, pioche un mutant. Donc, on va piocher un mutant pour notre cher Angel qui fait équipe maintenant avec Magma, qui dit que tant que vous êtes le héros actif, vous pouvez incliner Magma pour relancer jusqu'à 2 dés jaunes en ignorant tous les effets vilainie. Donc, c'est quand même assez intéressant. On est rendu à 4 ici. Donc, essentiellement, la mission qui est là devient disponible. Donc, Magneto est apparu. Ceci est une carte mission. Quand vous serez prêt, accomplissez-la pour avancer l'intrigue. Donc, on va faire le tour au complet, augmenter la menace du nombre de menaces. Donc, Magneto fait en sorte qu'il l'augmente de 2. On doit tourner une mission. Alors ici, allié disparu. On doit ensuite piger une carte. On est toujours dans le vert. Donc, c'est habile diversion. Remplacer une mission histoire par la carte du dessus du deck méchant face visible. Donc, il y a un méchant qui se rajoute. Donc, Omega Red, qu'on va devoir combattre avant de continuer à faire la mission. D'ailleurs, celui-là, je sais pas, c'est la première fois que j'en entends parler, Omega Red. Enfin, c'est pas grave. Donc, ça c'est fait. Quatre menaces de fin, la phase de regroupement. Donc, on prépare toutes les cartes qu'on doit avoir. Et ça va être la fin pour ce premier épisode. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous donne quand même un bon aperçu du jeu en tant que tel. Je vais continuer l'histoire, je vais la faire en épisode si ça vous intéresse. Peut-être nous faire des petits commentaires, ça serait très 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 intéressant. D'ailleurs, si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut serait très apprécié. Allez voir notre Instagram pour notre Instagram et notre page Facebook pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. Allez sur le site web aussi de notre commanditaire Level Edgar qui nous a fourni le jeu X-Men, le soulèvement des mutants sur le www.levelet.com ou encore directement en magasin qui a beaucoup changé. Hein? Ils ont beaucoup de choses qui ont changé à l'intérieur du magasin. Alors, allez-y en magasin. Ne vous gênez pas sur la rue Saint-Denis à Montréal, sur le coin de l'avenue Mont-Royal. Et amusez-vous avec vos jeux de société. Et on se revoit très bientôt. Bye bye!